les militants de la coalition Benno Bokyakar de Kermassal Sud. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis après les élections de 2022, du 23 janvier, et nous tous nous savons les résultats. Donc, sous les titres de l'honorable député Maire Moussa Mbeng, le coordinateur départemental de Kermassal, nous avons convoqué cette assemblée générale pour faire des remerciements, pour adresser des remerciements à l'ensemble des responsables et militants de Kermassal Sud. Après 15 jours de campagne, nous avons vraiment fait les élections le dimanche passé. Et je tiens à remercier le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Le remercier par rapport à son choix, sur proposition de l'honorable député Maire Moussa Mbeng, que je remercie au passage, qui a fait que j'ai dirigé la liste de Benno Bokyakar de Kermassal Sud, à laquelle vous avez également participé d'une manière formidable. Donc, malgré les résultats que nous avons eus, liés à pas mal de divergences au sein des listes parallèles, je tiens à vous dire que nous avons occupé la quatrième position, mais nous n'avons pas démérité. Pourquoi nous n'avons pas démérité? On a à Kermassal Sud 13 listes parallèles, si on les prend une à une. 13 listes parallèles, c'était vraiment difficile pour pouvoir s'en sortir. Et malgré tout, nous avons pu décrocher une place de quatrième position et que nous avons eu suivant vraiment un combat de titans. Ces listes, quand j'ai fait le décompte de ces listes, si ces gens-là avaient respecté la discipline de parti, on allait tripler le nombre de voix que le vainqueur a eu. Ceci donc nous permet de dire, de lancer un appel à ces apéristes, ces responsables, à qui nous n'avons pas fait la même liste. Nous leur demandons de rejoindre la coalition Benno Bokyakar. Parce que ce qui s'est passé dans ce département, et plus précisément à Kermassal Sud, on pouvait l'éviter. Parce que Dieu a fait que le Benno est toujours et restera toujours majoritaire. Donc c'est pourquoi, chers collègues, chers responsables, militants de la coalition Benno Bokyakar, les responsables des alliés de la coalition, les femmes, les sages, les jeunes, pratiquement tous les gens qui ont battu campagne, je tiens à vous transmettre mes sincères remerciements. Mes remerciements, mais également les remerciements de l'honorable député Maire Moussa Mbeng en tant que coordinateur départemental. Vous avez fait votre rôle, vous vous êtes battu, vous avez fait tout ce que vous avez pu, mais Dieu a décidé autrement. Et en tant que croyant, nous avons accepté le verdict des urnes. Et par cette occasion, je tiens à souhaiter une bonne chance à la coalition qui a gagné les élections. Je tiens également à les féliciter et à souhaiter qu'ils puissent terminer l'émission dans très bonnes conditions. La coalition Benno Bokyakar reste toujours unie et reste toujours forte. Et je tiens à vous dire que nous allons être dans ce terrain et nous allons conduire notre politique. Ce n'est pas le moment de baisser les armes. C'est le moment vraiment de redorer du blason et de se mettre au travail. On a perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Il y aura d'autres échéances électorales et je tiens à dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens à dire également à Monsieur notre Président du Conseil départemental, si je peux m'exprimer ainsi, l'honorable député Maire Moussa Mbeng, que les militants, les responsables de Benno Bokyakar de Kermassal Sud seront toujours derrière eux pour porter le combat. Toujours. Et c'est pourquoi je dirais tout simplement de ne pas se décourager, de mettre toujours la main dans la main, de se solidariser et d'être l'autre dans toutes les circonstances. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Et actuellement, quoi que l'on puisse dire, la coalition
Benobok Yaka de Kermassar Sud devrait être vainqueur de ces élections. C'est ça la logique. Donc malgré tout ça, soyons solidaires et soyons vraiment unanimes et menons le combat ensemble. De sa loyauté et de sa fidélité. Il a vraiment eu, il a accepté et il sait nettement que dans la vie, il faut avoir la discipline de parti. Honorable, nous vous remercions de votre accompagnement, de votre soutien, mais également de vos conseils. Remerciez aussi les coordinateurs des sous-comités électoraux qui ont porté la campagne à la base. Je peux parler de Madame la maire Rokotiare de l'AFP. Également remercier M. Souleymane Sey au niveau également d'Aïnou Madi. Remercier également au niveau de Castel Sotrac, on avait M. Sarir Babou et M. Nyon. Et au niveau des passages à Séni, on avait le coordinateur Aliou Ndiaye également. Et Kamil Bass, on avait Madame Anta Sardien au niveau de la coordination. Mais je vais remercier les femmes aussi, à travers Madame la Présidente des Femmes, Madame Diaombe Sissé. Également, toutes les présidentes des femmes qui ont concouru à ce combat au niveau de Aladji Paté, Madame Farfay Sow. Au niveau de Kamil Bass, on a Madame Mao Djemé. Au niveau des Passa Assani, on a Madame Ramatoulaye Mbaye. Et également, au niveau des jeunes, on peut remercier également le coordinateur communal et départemental, M. Amerka. Remercier aussi M. Chatian Long et tous les volontaires de campagne, M. Dembadia, au passage, qui ont mené un travail de titan, mais également remercier les responsables du manière générale, Mme Sonadia, Mme Ourissou, Mme Mamkari Fall, Mère Néné, Mme Djedebakan, la trésorière, Mme Nassara Fall, également, et aussi remercier les mouvements de soutien qui nous ont accompagnés à travers les dames. Et là, je peux citer les femmes battantes à travers Mme Degarambin, qui a vraiment soutenu, et aussi le mouvement de l'Odjigen à travers Mme Ben Gizou, qui également a mené un travail sans oublier le chef de protocole, M. Ibrahim Sissé, et aussi remercier le directeur de campagne avec le mouvement 4D, M. Moussa Ben Gizou, et M. Moutine, les tigresses par le biais de Bébé, tous ces gens, tout ce beau monde, vraiment, qui nous ont aidés, sans oublier l'organisateur M. Demba Diao, qui a fait un travail important, les mobilisateurs, Rawan Gueye, et également, sans oublier aussi, M. Ousseynou Diouf, qui nous a rejoints et qui a fait un travail vraiment exorbitant, et le mandataire aussi, M. Amadou Diop, qui a siégé au niveau du tribunal de Malika, nous le remercions en passage, sans oublier l'artiste au niveau des programmes, Dior Megrey, et j'en passe, je pense que c'est tout le monde, toutes les femmes, les sages, Doyen Siri Diop, hein, Madame Mariam Sow, Madame Gilay, hein, Madame Djobate, Aminata Dabo, Djerba Ndiaye, toutes les dames qui ont contribué à ce combat, je leur dis merci. Et je leur dis tout simplement que le mot d'ordre, c'est de continuer le travail. Le mot d'ordre, c'est de ne pas se baisser les bras. Le mot d'ordre, c'est de croire que nous avons un leader. Et un grand leader, c'est Honorable Député Mère Moussa Mbaye. Le département a besoin du pouvoir ou bien de la coalition pour pouvoir s'en sortir. Donc je pense que c'est ce que j'avais à dire. Et également saluer tous les investis de cette liste. Il y a Mme Philomène Fay, Mme Anissis et tout ce qui a été investi sur cette liste. C'est l'occasion de les remercier et de leur dire que nous avons eu 5 conseillers municipaux élus au niveau de la liste proportionnelle. Mais il est bon de les applaudir parce que quoi qu'il en soit, ces 5 conseillers vont nous représenter dignement dans cette nouvelle mairie de Kermassar Sud, et ces 5 conseillers sont composés de l'honorable député maire Moussa Mbeng en tant que tête de liste proportionnelle, mais également suivi également de Mme Seyni Boundoy qui va siéger, suivi aussi de, comment dirais-je, il y a M. Mbaye Diop, directeur quartier qui est passé conseiller, et il y a également Mme Anta Sall qui est également passé. Et M. Ababarka Mbengour qui est également passé. Ce sont nos 5 conseillers qui vont nous représenter au niveau du conseil municipal. Et je pense que nous leur souhaitons une très bonne chance. Et ils vont porter vraiment ce combat de la coalition Benobok Yaka de Kermassar Sud. Donc je remercie tous les amis, tous ceux qui ont contribué, Amadou Diabaté, les jeunes, tous ceux qui ont contribué à ce combat.
c'est le moment de leur dire merci. Mais je veux remercier également les jeunes avec la marche Moron, les volontaires de campagne. Ces jeunes, vraiment, et ces dames qui ont fait le travail ensemble, qui durant toute la campagne n'ont jamais dit non, et remercier la communication, le service de la communication à travers Fatkine Biaï, à travers, à travers également Mohamed, à travers aussi Awa, à travers aussi bon, tous les jeunes de la cellule qui ont fait un travail étudiant, les jeunes Hassan Diop, mais aussi sans oublier également notre jeune frère, bon je dis jeune frère, mais je dis notre fils Talemben qui a fait tous les textes de la campagne, c'est l'occasion de le saluer également. Et Céline Bambeng, parce que mon beau et vraiment saluer tous nos, parce que tous nos enfants étaient dans les rues. Hein. Également, je vais vraiment, il y a Kiné, c'est des filles et des jeunes qui ont battu campagne normalement. Et je pense que ça veut dire que nous n'avons rien perdu. Khaïta Djane au niveau de. Et aussi saluer les mandataires des centres. Amadou Lamine Beng du sous-comité Castor Sotra, que nous saluons, que nous remercions en tant que mandataire. Également, Ibrahim Issé qui était au Dar es Salaam, Soraya Amdalaï et aussi Kamil Bass, on avait Aliou Cissé et au niveau de Taoufer, on avait Ablaï Sy, sans oublier Pape Moussa au niveau de Aïn Madi, on leur dit merci. Voilà, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Sante aussi, Gurum, honorable député Mère Moussa Ambeng, Mikhami Taï, m'ont proposé de faire une élection. Sante tous les responsables, bon, Dylan Gurum. Ci tayway bi la xamna sang waxna ko ci français xamna dañ ma djegal ma ko ci awol do am problème parce que je pense que c'est les mêmes recoupements hein sante na tous les responsables tok yeb dang len sante di len gërem ci déplacement bi ak ci ñew bi ah di len xamal nak tay li tax ñu woté dañuy woté nak assemblée générale pour sante pour gërem li tax ñu wara woté assemblée générale pour sante gërem dañu def fukk fan ak djoum de campagne dem élection yalla def ndam li dem fenen. Mais ce qui est nous avons une liste parallèle. C'est-à-dire que liste qui est là, nous avons une liste mais nous avons une liste. Nous avons une liste. Mais il y a une liste aussi, pour nous avoir une opposition, pour nous avoir une liste très bonne, nous avons une liste qui est là. C'est ce que nous avons fait. La place que nous avons fait, c'est la place que nous avons fait. Les conditions de l'élection, nous avons fait. Nous avons une liste parallèle, que nous avons fait. Nous avons une liste. Mais nous avons fait des choses. Mais nous avons fait des choses. Je ko xamal ni ko ñepp xam ni keur massa sidou mom ci ginaam rek lay nek toujours ba abadan day man ñi ci ginaam diko jappalé di remercier le président de la république aussi on sera toujours ci ginaawam diko jappalé di wax rek ni li ñu woté li da na woté pour buñ fu joggé ñu xam ni liggéey bi jéxul ndax buñ défal élection rek kenn woté wul dañ lan mo xew lool motax ñu woté sante ñepp képp ko am japp nga ci élection yi donte liggéey ñi lay sante di la gërëm ci sa taxaway ak ci nga lool nga doxalé ba lepp mëna nek. Képp ko xamé rek ñëw nga indi sa li nga am andu sé ñun ci jappalé ci ndimal sant nañ la gërëm la dina xamal ni ni aduna képp kuy dem ci compétition war nga xalaat ñak war nga xalaat am loolu képp ku na doxal té aduna ku na ñak na lu ko gëna cher té mi ko ndu dund maire bi du taylé am en 2027 dina maat maire yalla mëna fekk ñu ñëpp yalla mëna ñu wolé aussi ñukoy wutal yalla rek mo xam mais dina xamal rek élection yi ni ñëw nañ ko wajal. Nous avons fait des choses. Quand dañ ko né di ci liggéey di def li ñu wara def lepp lo xamni coalition dina ko def dañ ko def lepp lo xam politique bi demain dina ko demain ñu def ko pour may wax rek ni bu kenn dem bu lu keuf kenn ne ku ne am ngor xamni da nga am ño andal
té ki na andal kat mo jité réew mi ki na andal kat mom mo fi nek wax de yalla le député le seul député de Kër Massa té mom moy sunu maire moy sunu président ñun am lañ droit and ak lool am lañ droit na Moussa Mbeñ ma bëgg nak ñun ñëpp ñu andalo jappalé honorable député maire Moussa Mbeñ ñun ñëpp ñu andalo aussi jappalé le département de Kër Massa jappalé les communes de Kër Massa lool motax dina rek jukki wat peut-être xamal ne ni munta ñak na honorable trans senghor bi nek sunu wet dañ ko sante gërem ko gërem aussi les coordinateurs des sous comités ñi xam jitt den sous comité dañ sante gërem leen gërem les femmes gërem les sages gërem les jeunes bu ñu ñëwé ci coordinateur yi dañ gërem madame la maire roxtiaré mo yoron aynou madi dañ gërem aussi feulé ci niveau kamil bass anta sar mo fa nekko ñu koy sante gërem aussi sotrak sari babu mo fa nekkon ak maoudou ñaan gërem aussi madame Janaba Kane trésorière communale ñu ko sante gërem ak ñom nasara ñepp ñu ngi leen gërem ci famille ñu gërem madame la présidente des femmes madame Jama Mbaye gërem les jeunes à travers américaine cheikh tian dong les demba jagne ñepp ñu ngi leen gërem gërem les sages doyen sidi diop ñu sante ko gërem ko ak gorgolu ñu leen sante gërem les cadres ababakar mbeng gor ñu lay sante le gërem yow vraiment suñu fierté nga bok suñu Kër Massa sud mom bu toge wax deug yalla man damaay fierté parce que limi def yépp defuko pour lan na dox rek la tax mu def ko kon lañ ci def ñi lay sante le gërem gërem tous les sergents gërem les mandataires vraiment gënem aussi képp ko xamné gëngu nga ci sante fa ñi lay sante le gërem ki nekkon tribunal aussi muy Souleymane Sey ñi koy sante ko gërem nak fa la fanan mo Amadou Diom mi def na ñaari fan di fa fanan dañ leen sante gërem leen nak togal nañu nu wara togalé bo indi ñu résultat yi mu wax lool nak bo gëssé ma duggal ko rek c'est parce que munotuma gërem ñep na gërem na ñi gërem na ñep pratiquement mais dama ko jukk rek pour ñu comprendre ma xamni tay mo mënon jaar ci tour ko dama jaar tour ñep den wax ni aussi ya salam ma ngi gërem sama ñaari sëri ak ya cheikh wuri ñu ñaan ngi ñen gën ko yok gën leen yokkat rek ñaanu ngeen mais ngeen yokkat ba affaire bi gëna dox parce que lolu bo gi sama koy wax dama bëgg xamal leen rek fi ñu nek ni Kër Massa sud bi ñun ñokoy doxal kenn du ko doxal ma bëgg na ngeen xamni man Matar Mbeng ma ngi leen talas ma loxo tey la gën a gëm ni maag yéen ñoo war a ànd tey la gën a bëgg ñu ànd maag yéen te képp koo xam ne am na loo xam ne bëgg nga ko ci man ñëwal ba ci man nga wax ma ko képp ku ma soxla ma ñëw boo ñëwul ma ñëw man talal naa loxo ñëpp parce que gëm naa ni ba ma defee dalay dal élection ba léegi c' est la première fois ne ma jiite liste waaw 2014 nekku woon candidat j' étais candidat pour être conseiller municipal maa ngi woon ci proportionnel bi kon 2021 laa ma sa nekk candidat te jàng naa loo xam ne ci élection yi xam naa ni bu nu kon ne leneen mi ngi ñëw ma bëgg nga xam Kër Massa sud nan def nii nan bokk nday nan bokk bàyyi nan muñolante nan jàppalante nan dimbalante bon nuyu nag Demba Diaw moom sonn trop organisé dafa dem ba mbax ne maa ngi wadd mais sonn trop parce que organisation bi ak yooyu doon na ko sonal mais sant baax les mouvements aussi ñu jàppale le mouvement doon jigéen les femmes battantes ñëpp sant na leen 4D vraiment tous les mouvements les volontaires ñi si doon yëngu ñëpp ñu ngi sant waaw loolu laa bëggoon yëkkati rek mais di beral nuyoo aussi ki xam man mënuma ko fay teele mën naa am benn naqar bu ma sonoon tey dañuy gagné pour honorable député maire Moussa Mbeng ak le président de la république son exemple sax nag àdduna tey bu nekkoon man damay wut place damay dem proportionnel ca département ba département mënoon naa dem proportionnel mais dama ne ko woon nan bokk fi ñuy nekk ñu am bokk amulu ñu àndandoo toog moo tax man majoritaire laa dem tey li mu am amul moom amul man aw ma te pourtant moo naa ne ko yóbbu ma fële mais dama ne ko non ne def ma fawet rek nan den loolu nag pour wane ni man li ma gëm mooy moom lay àndal te kenn mënul fexe tàqale maa ngi moom ci àdduna gisuma ko jamais ñoo xam ne yëmm nañu doole jigéen jeunesse bi tout ñooñu naa ñëpp ñoom awa dañale tout Sare Matta sant naa ñëpp ak le comment dire ñoom maman bu unité 26 unité 25 les passages seen xarit yi képp koo xam liggéey nga rek sant naa la gërëm la loolu rek moo doon dañe tey bi ah xam naa dañuy libérer la presse nag xëy na am na loo xam ne mën nañ ko waxtaan sur biir xëy na ñoom concerné wu leen ndax sant leen gërëm leen prostitue bi aussi c' est l' occasion de les remercier qui a fait toute la couverture loo def rek dem na ko bett ñoom it sant naa leen ñoom Ira TV suñu partenaire la mooy toujours mi ngi ñëw ak également la cellule de Kër Massa sud ci wàllu actualité ñu ngi sant leen gërëm ah moo tax ñoom ñëpp ci daara bi gërëm leen ñëpp vraiment loolu moo doon daje bi maa ngi sant ñëpp gërëm leen jërëjëf.